30 ans, mon rêve c'est d'aller à Tokyo et mon objectif cette année c'est d'être en équipe nationale et je bosse très dur pour y arriver. L'eau c'est mon élément et la natation c'est mon sport favori. Fanny Borer, 20 ans, est membre du Cercle des nageurs de Nyon. Sa devise, quand on veut, on peut. Elle s'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Les longueurs de bassin ne l'effraient pas. Pour son entraîneur, travailler avec Fanny est un vrai plaisir. C'est grâce à ces nageuses-là qu'on arrive à avoir de la passion toujours entraînée. Elle est toujours présente à l'entraînement, elle s'investit toujours à 100%. Elle sait où sont ses objectifs, où c'est qu'elle veut aller. Et c'est super intéressant de pouvoir continuer à travailler avec elle, puis d'avoir travaillé toutes ces années avec elle. Fanny excelle sur 200 mètres d'eau. Elle possède la troisième meilleure performance suisse de tous les temps, le résultat d'un travail assidu, ingrat, mais parfois décourageant. Par moments, c'est dur, surtout quand on n'en peut plus, la fatigue. Souvent, je me suis dit, oh là là, j'ai envie d'arrêter, enfin, j'y arrive plus. Mais j'ai toujours eu l'espoir et réussi à remonter la pente avec mes amis, mon entraîneur et ma famille. Son meilleur temps, 2 minutes 18.40, ne lui permet pas encore d'être performante au niveau international. Mais Fanny a l'appétit d'un loup quand il s'agit de manger des centièmes. Le loup, c'est mon animal préféré. Et pour moi, c'est un peu mon caractère, le sauvage, d'avoir envie de, je sais pas, d'être à fond, quoi. Être à fond et repousser ses limites, telles sont les motivations de Fanny Borer, qui rêve d'un titre national dans 2 semaines à Genève.